Bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 6 de Roll and Play, une petite émission où des copains qui s'avèrent tous être comédiens ont décidé de jouer une campagne de jeu de rôle. C'est la campagne de résurgence. Non, parce que Juliette, ça pas à chaque fois. Faut que tu trouves un autre truc, c'est genre gif. Voilà. Ouais, puis ben du spectacle un peu, voilà. Ouais. Voilà. Ça peut être pas mal. Attends, je fais une tentative officielle. Wow. Dire, c'est pour toi. Mais arrive pas à garder son sérieux. Sauf qu'en fait, on va écrire résurgence, mais de la fin vers le début. Mais ça, c'est juste dans l'écriture. Une réussite refrangée. C'est un petit peu de créativité, je sais pas, tu vois. Tu prends le titre comme ça et puis bam. Tu l'allonges. Ouais. Ouais, bah ça va, je vais y travailler. Ah, j'aime bien ça. Tu le souffles. Non, je voulais le faire, souffle. C'est pas mal. Sinon, tu écris et il va te suivre, Olivier. Et du coup, le ça truc le plus chiant du monde. Non. C'est vrai. Régence sur... Non. À l'envers. Bah ouais. Ok. Bah ouais. Ok, c'est vrai? Non, elle se lance. Alors non. Elle se lance. Non, on ne reste plus. Attends. Il faut faire les deux mains en même temps. Et tu fais les lettres, tu sais, et tu te rejoins ensemble. On est tellement mal barrés. Ils ont tous faim. Oui, Marguilette. C'est qui ces gens? C'est ce que je me demande. Là, l'espace d'un instant, je me suis, moi, imaginé spectateur devant YouTube. Ouais. Comme tu nous descends. Mais ouais. Après le livre de blagues que tu nous as fait. Ouais, donc, en fait, vraiment, c'est ça, si vous voulez par contre briller en société et être drôle, je vous conseille cet ouvrage. Un exemple, vas-y au pif. La blague de A à Z. Un petit exemple. Allez. Fais la blague de Chloé. Alors déjà, il n'est pas convaincu, tu vois. Il a tourné la page, le mec tourne la page. Non, mais parce qu'elle est super dure à dire. Oh, elle est longue. Il y en a une, je vais pas. Ça fait un livre d'un compliqué. Que dit un donut qui court sur la plage? Ah oui, elle était... Je vais me baigner. C'était une... Voilà. Très bien. Voilà. Bon, ben voilà. C'est le... Voilà, à votre meilleur ennemi. Votre némésis. Bref, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Et à bientôt. Et à la semaine prochaine. Restez, après on va faire des trucs bien. Ouais, promis. Restez, après on sera sérieux. Ouais. Et il y a intérêt. Parce que, venir, si parce que là, c'est en train un petit peu de partir. Ça sent le pic de glace. Avouons-le. C'est en train de partir en vrille. Ouais. Eh bien, sur ce... nous allons entamer notre épisode, mais avant tout, nous vous laissons avec le résumé de l'épisode précédent, et puis le générique, et résurgence. Voilà, à tout de suite. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes retrouvés face à Binija, qui chevauchait un immense renard des neiges. Nous avons essayé de la rattraper avec Asgir, mais elle a retrouvé 9 autres femmes de mon clan, le clan Freyg, et elles ont disparu. Asgir a entendu dans sa tête les mots « Je t'ai retrouvé, tueur d'enfants ». Nous avons pu soigner Elena, mais une blessure persiste en elle, une espèce de malédiction qui progresse dans son corps. Nous avons repris la route pour Lungen, et sur notre trajet, nous sommes tombés sur une scène de massacre, des corps humains ensanglantés. Et nous avons vu dans la neige des traces de pas qu'on pourrait apparenter à des grands lézards gigantesques. Et nous avons vu une arme aussi, une arme comme on avait vu à Orescum, elfique, mais flambant neuve. Nous avons récupéré cette arme, nous avons atteint Lungen, ainsi que l'auberge que nous avait indiqué le clan.
Très bien. Nous reprenons cet épisode alors que Elena et Nell sont à l'extérieur de l'auberge et que nos amis sont encore en train de manger et de boire. Elena, oui, toi, tu sens toujours cette douleur qui irradie comme ça, qui semble légèrement s'étendre petit à petit. Du coup, comme j'ai la sensation que ça s'étend, j'enlève ma cape et j'essaie de regarder voilà, pour vérifier que ça s'étend. Et vous voyez toutes les deux, du coup, sur ta peau, une espèce de point noir, assez bleuté, mais assez sombre. Et de ce point, commence à irradier des petites veines noirâtres qui commencent à s'étendre à quelques centimètres du point, tout autour, avant de s'arrêter. Et la douleur disparaît. Mais les veines restent, par contre. Les veines noires, le côté noir reste. Bah, quand je vois ça, je regarde Nell et je... Juste par le regard, on se comprend, quoi. Enfin, je comprends que c'est pas... que ça sent pas bon et que... Sûrement, c'est... Peut-être, là, je peux comprendre que c'est lié à la nécromancie. Parce que si ça s'étend dans mon corps... C'est pas forcément évident que ce soit la nécromancie, mais en poison. Tout cas, c'est quelque chose qui tient d'une malédiction, très certainement. Tu peux pas rester comme ça. Il faut faire appel à quelqu'un. Peut-être Anaëlle, elle peut t'aider. Peut-être qu'elle connaît... des herbes, un remède pour ralentir la propagation de... Du coup, pour la première fois, moi, je me sens un peu démunie, je me sens touchée par les choses, je me dis que, voilà, enfin, finalement, ça n'a pas été rien, ce qui s'est passé, et que bah, je peux mourir. S'il te plaît, on n'en parle pas, Gabriel. Comment ça? J'ai pas envie de lui dire. Je lui fais pas confiance en ce moment. Je préfère en parler à Asgir et à Nell, mais je... Elena, Gabriel a étudié la magie comme toi. Peut-être qu'il connaît quelque chose sur cette malédiction. Peut-être qu'il peut t'aider, en fait. Très bien, mais s'il continue, je vais lui mettre un gros pain s'il continue. Franchement. Ça sera pas volé, mais... Ouais, ça sera pas volé, ouais. Mais je préfère te prévenir avant. Ok. Est-ce que tu veux te reposer dans une chambre, quelque chose? Non, je veux pas me reposer. Je veux faire ce qu'il y a à faire. J'ai pas envie de penser à ça. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. C'est ma faute. Et j'aurais dû vous empêcher d'aller au Nord. Quand vous avez pris la décision, je sais pas pourquoi, j'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai pas voulu en parler parce que je voulais pas alerter Timéné et je voulais pas vous inquiéter. T'inquiète pas, je t'en veux pas. Je t'en veux vraiment pas, t'es pas responsable, juste... C'est qui cette personne? Elle fait partie du clan... De mon clan, enfin... Bien que maintenant je sois plus la bienvenue. De ton clan? Tu appartiens à un clan? Quand je suis partie à la recherche de mes parents dans le Nord, je suis remontée très, très loin dans le Nord et j'ai été prise dans une tempête. J'avais plus de vivres, j'étais gelée et j'ai été recueillie par un clan barbare, par le clan Freg. C'est un clan qui était nomade à la base pendant des années et qui un jour est tombé sur un esprit. Un esprit qui a terrassé tous les hommes de ce clan, qui a maudit les femmes qui sont restées les seules survivantes et qui sont devenues les gardiennes de cet esprit. Et c'est elles qui m'ont recueillie, elles m'ont sauvée, elles m'ont nourrie, elles m'ont donné un toit et...
Et elles m'ont accepté au bout de plusieurs années. Tu es resté longtemps avec elles? 12 ans. 12 ans? Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Et tu es partie du jour au lendemain, j'imagine? Enfin, je veux dire, pour qu'elle réagisse comme ça, pardon, excuse-moi. Mais si elle réagit comme ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose, tu as dû fuir. Ou partir. Comme ça. Je suis partie parce que... Parce que c'est moi qui... Parce que j'ai libéré l'esprit qu'elle gardait. En cherchant les réponses sur mes parents, je pensais que j'avais tourné la page, je pensais que ma vie était auprès de mes sœurs désormais et qu'elle appartenait au clan. Et quand j'ai réalisé que les ruines de l'esprit étaient liées à mes parents, j'ai voulu connaître les réponses et l'esprit s'est libéré et il a détruit tout le clan. Binéja a survécu, quelques-unes d'entre elles aussi, mais... Je les ai trahies, Elena. Et c'est ma faute, je suis complètement responsable de... Je savais qu'elle me rechercherait, je savais qu'elle survivrait, je savais qu'elle rejoindrait d'autres forces pour être plus puissante et... Je ne prends que de mauvaises décisions. Et je pensais qu'elle se vengerait sur moi. Et comment elles me connaissent? Elles savaient que ça te ferait du mal en me touchant, en m'atteignant. Tu leur as parlé de moi? Non, très peu. Non, je n'ai presque pas parlé de ma vie passée avec elles. Mais... Cette magie... Binéja ne pratiquait pas de magie quand je faisais partie du clan. Je ne l'ai jamais vue pratiquer de tels sortilèges et... D'accord. Je ne sais pas du tout ce qui peut découler de ça. Alors, de toute évidence, moi, j'ai cru que c'était une magicienne. Elle a peut-être... Elle a des talents de guérisseuse à la base. Et... Elle est la petite fille de... Elle était la petite fille de l'ancienne du clan qui pratiquait, oui, de la magie, des incantations, mais j'y connais rien à toutes ces choses. Pour moi, c'était juste lié à l'esprit. Je savais pas qu'elle pouvait s'en servir. En tout cas, non, elle ne s'en servait pas. C'était Thorild qui s'en servait. Non. Écoute, je ne sais pas, il faut qu'on réfléchisse à ce problème, mais à un autre moment, on en a plein à régler en même temps. Mais en tout cas, sache que je ne t'en veux pas. On fait tous des erreurs et tu as agi sur le coup de la colère par rapport à tes parents et de la vengeance. Et... Juste pardon de poser cette question, mais Binéja avait des sentiments pour toi? Et ils étaient réciproques? Là, je la regarde pas, je baisse la tête. Quand elle dit ça, déjà que j'étais pas très bien à la base. Du coup, ça me touche et ça me rend triste. Et j'essaie de pas trop, comme elle a la tête baissée, elle me voit pas forcément, mais voilà, je dis trop rien. Moi, j'essuie rapidement des larmes qui montent discrètement, enfin, pendant que j'ai la tête baissée. Ouais.
On dirait que cette histoire n'est pas terminée. Peut-être que tu devrais réfléchir. Comment ça, enfin, qu'est-ce que tu racontes, Elena? De toute façon, les Freg me pourchassent et elles voudront... Je pensais qu'elles me voudraient morte, mais non, je pense qu'elles veulent bien, bien pire et bien plus que ça maintenant. Rentrons si tu veux bien. Moi, je veux rentrer, je dis plus rien. Ça me touche et je... Du coup, je rentre avant qu'elle voie que j'ai des larmes aux yeux. Bon, tu rentres. Et moi, je reste seule quelques instants. J'ai des larmes qui coulent le long de mes joues et... Je les essuie et je rentre aussi. Fais-moi un jet de perception. 4 Enfin, tu rentres. Vous les voyez rentrer toutes les deux, l'une après l'autre. L'ambiance est lourde, c'est assez clair. Nala, elle se rend pas compte parce qu'elle a bu un petit peu trop de bière. Et moi, je suis en train de finir le bol d'Elena. Du coup, je suis là. Moi, j'arrive, je vois mon bol que t'es en train de terminer. Je me dis que c'est vraiment la journée de la loose. Et ouais. C'est vraiment pas ma journée. Et moi, je le vois comme ça et je rigole. Annale, elle rigole, mais vraiment avec un rire très aigu. Je fais juste comme ça, alors. Bien juste. Il vient poser une nouvelle écuelle. Voilà. Bon appétit. Oh, mon cher, pour l'enregistrement auprès du Keftos, un de nous peut le faire pour tout le groupe ou il faut qu'on y aille tous les 5? J'en sais rien comment ça marche, moi. Mais je sais que faut vous faire enregistrer. Si vous voyez ce que je veux dire. J'avoue ne pas bien voir ce que vous voulez dire. Je parle de lui, surtout. Noël, elle rigole encore plus fort. Shabba, tout ça, incantation. Vous faire enregistrer, mon ami. Ah! Il n'y a aucun souci. Vous êtes Bjorn Bjornsson? Yarn. Excusez-moi d'avoir écorché votre prénom. Je me retourne vers toi juste pour. Je pose mon bol, j'attrape la chaîne comme ça. Attends, je regarde juste que vous tout autour. Il y a des gens. Hein. Et je m'approche. Je reprends mon bol de Yarn. Grosse. On a des amis en commun. C'est-à-dire les rouges. Il te regarde en train de... ça. Totalement stoïque. Une preuve. D'abord, le plus discrètement possible, tout de suite, je sors mon médaillon. Moi, petit jet de description. Bah oui, forcément. En plus de ça, j'ai un désavantage. Bah ouais. Voilà, c'est ça qui est drôle, j'ai envie de dire. J'aurais peut-être pas utilisé ça. J'aurais pas dit ça. J'aurais dit l'ouf. Bah, 7. 7. Il voit le médaillon, il pose la main sur ta main, il va te la remettre. Il va falloir le dire tout de suite. On avait un petit peu faim. C'est venu en deuxième position. Vous auriez directement eu de la viande et du fromage. Ah, dommage. Et là, elle éclate de rire encore plus. J'ai encore un peu de place. Moi aussi. Ouais. Pareil. Faites-vous enregistrer. On est d'accord? Ouais, ça marche. De toute façon, vous avez. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les broches de la Kadama, ou enfin, je sais pas ce que vous êtes, mais. Je suis Voxomancien. Voilà, donc vous avez la broche de la Kadamaox? Bien sûr. Ok. Bon. Donc c'est une formalité, mais faites-vous enregistrer. D'accord. Parce que ce que vous avez fait tout à l'heure, sans être enregistré, tout ça, il suffit qu'un garde passe. Il faut qu'on aille voir le Keftos pour s'enregistrer, c'est ça? C'est ça.
Et le Keftos, on le trouve dans la maison qui est sur la butte. Dans le grand hall, sur la butte. Très bien. Si tu veux bien, on va y aller tous les deux. Bien sûr, Elena. On vous laisse. Et je regarde et moi, je Annaëlle et je la prends du doigt. Ouais, la grosse pinte, comme ça. Moi, j'ai mon bol, comme ça, je fais... Oui, mais on peut y aller tous les deux et nous enregistrer tous. En fait, non, les autres n'ont pas besoin d'enregistrer. Il n'y a que les jeteurs de sorts qui ont besoin d'être enregistrés. Ben oui, mais effectivement, oui, là, okay, oui. Ben oui, mais non. Oui. OK. Bon, on revient. Je refais le son. On vous gardera un peu de fromage. Ouais. Et... Jeter un œil sur Annaëlle. S'il te plaît, Asghir. Bien sûr. Juste un œil. C'était très drôle, ça. Ben, j'ai pas fait exprès. Mais c'est vrai. Pendant qu'ils disent ça, je tente de la banquette et je sors de la salle. De là ? Non, je cherche à l'intérieur, je cherche les toilettes. Parce que j'ai bu beaucoup de bière et ça traverse. Ah non, mais il y a une grande salle, en fait. Il n'y a pas de toilettes ? J'ai un petit souci. Il faut que je fasse pipi. Si vous cherchez les toilettes, les latrines sont derrière la maison. D'accord. Faites le tour. Et du coup, je pars en courant. Quoi ? Rien. Nel, on peut juste avoir la lettre... On est sortis déjà. Mais j'ai fait demi-tour, je suis venu voir Nel. On peut avoir la lettre du marchand, s'il te plaît ? Oui. Et donc, je t'accompagne vers la butte. Très bien. Vous traversez la ville, vous allez effectivement vous diriger vers la butte centrale, cette grande maison à plusieurs étages. Bien 4 étages, hein, facilement. Assez haute. Vous avez une petite file d'attente, puisque c'est aussi là que s'enregistrent les marchands, c'est certainement là que se mènent la plupart des tractations. Entre marchands, ça fait un peu office de mairie. Hein. Faites-moi tous les deux un test de perception, s'il vous plaît. C'est pas gagné. Hein. Ne dis pas, ne lance pas en disant t'es pas gagné. Dis-toi, lance-toi en disant que tu vas faire double 19. Vas-y, double 19. Vas-y, double 19. Regarde, double 19. Ah ouais, dis donc, double 19. Ah ouais. Ah bah 6. 6. Et 16 et 6, je crois. Wow. C'est... Oh, c'est écrit si petit sur ta tablette, c'est fou, hein. Bah... Les pattes de mouche. Oui, je sais. 16 et 6, 22. Ok. Vous êtes en train de faire la queue. Ouais. On attend de pouvoir rentrer à l'intérieur du grand hall. Et toi, en fait, tu... Donc les portes s'ouvrent et se ferment régulièrement à cause du froid. Hein. Ouais. Et toi, un moment où un marchand ouvre la porte pour pouvoir rentrer, pénétrer à l'intérieur, tu aperçois 3 personnes qui sont en train de parler un peu au fond de la salle, alors qu'un clerc est en train de procéder aux enregistrements d'une personne à l'intérieur. 3 personnes, un homme, 55-60 ans, facilement, cheveux grisonnants, assez hirsute, une grosse barbe, plutôt bien habillé, assez richement, qui est en train de parler à une jeune femme qui doit avoir 20, 25 ans, quelque chose comme ça, à peu près. Petite vingtaine. Même chose, est habillée assez richement. Ça fait combien en tout ? 22. Et sur les vêtements de laquelle se trouve accrochée une broche qui est la broche représentant les personnes qui sortent de l'Akadama. Une broche officielle, hein, comme celle que possède mienne, ouais. Elena. Et une troisième personne, de plus petite taille, une naine, qui est en train de parler avec cet homme et cette femme que tu reconnais. Maria. What the fuck? What the fuck? Tu me passes l'info ou juste tu regardes?
faut que je parle, bon enregistré. Et là, les portes se referment. Comme ça. Moi, je vois rien, je suis dans la file. Hein. C'est ça. Je suis devant, j'attends. Toi, t'as mal, en fait. T'es pas confort. Tu sais, c'est ces moments où t'es concentré sur ta douleur et t'as l'impression que ça te prend la tête, quoi. Est-ce que ça t'intéresserait que je te passe une information ou on fait comme tout à l'heure et on marche ou on reste côte à côte sans se dire un mot? Non, ça m'intéresse que tu me passes une information. Petite devinette, la maman de l'un de nous est ici. De qui s'agit-il? T'es sérieux, là? Oui, sérieux, oui. Où ça? Derrière. À l'intérieur, j'ai vu derrière les portes, j'ai vu Maria, avec une jeune femme, a priori de la Kadama, et un homme un peu plus âgé, bien habillé, peut-être les Keftos, à voir. Du coup, je les vois? Non, non. Les portes sont fermées. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que tu penses qu'ils savent qu'on est là? C'est une bonne question, je sais pas. Ça serait quand même étonnant qu'il sache qu'on est là. Non, par contre, si on vient pour... Pour Rose Blanc. Oui, j'ai compris, d'accord. Rose Blanc, ouais. Quoi? Circular. En même temps, il ne peut pas se passer grand-chose, il y a du monde ici. Non, il peut juste se passer qu'il nous reconnaît. Pour l'instant, on a peut-être l'avantage. Ils sont peut-être pas là pour nous, peut-être que c'est nous qui sommes là pour eux. Tu vois ce que je veux dire? On vient pour enquêter sur le moment et on choisit parmi trois destinations celle-là et on tombe sur Maria. Qu'est-ce que tu proposes alors? J'en ai aucune idée. Ouais, moi pareil. Réfléchissons très rapidement. C'est ça, très très rapidement. C'est une connerie qu'elle nous voit. Pour l'instant, on a l'avantage. Sinon, il faut qu'on retourne chercher... Peut-être qu'Anaël pourrait nous enregistrer, se déguiser, se transformer. Anaël, a priori, est bourrée. En plus de ça, elle est sorcière. Oui, et en plus de ça, elle ne peut se déguiser qu'en enfant. Et un enfant qui vient s'enregistrer, c'est quand même assez louche. Asgir. Asgir? Très con comme idée. Hein. C'est la pire idée que tu aies jamais proposée. Et Dieu sait que t'en as proposé. Hein. Ou sinon, on assume, on passe. Non. Bonjour, Maria, ça va? Ouais, moi j'assumerai. Oh, ben ça s'est bien passé, Glaster. Tout le monde est prisonnier dans les gangs d'améthystes. On a bien géré. Et toi, ça va sinon? Bisous, ma mère va bien? Non, il est à la con. Autour de nous, il y a combien de personnes devant nous? Il y a encore 5-6 personnes à passer. 5-6 personnes? On a encore un peu de temps avant de... On a encore un peu de temps. Il y a des fenêtres ou pas? Bien sûr. Quand t'envoies ton rat et il entend ce qu'il dit, t'entends ce qu'il se dit ou... Oui, je peux me projeter à travers lui. Ça le problème, c'est qu'il y a un rat qui passe par ici, ça va affoler. Et tu peux pas changer la forme? Pas comme ça. Ça prend un peu de temps si je change la forme. Faut relancer ton sort. C'est ça, et donc ça prend du temps. Non, là, je peux pas tout de suite, c'est pas possible, ça. Écoute, on a un peu de temps avant qu'on arrive vers le Keftos. Je sais pas, peut-être va prévenir Nell et Asgir. Non, comme ça, on est quatre, on a deux fois plus de chances de se faire repérer. Non, peut-être ce qu'on fait. Tu es habillé, tu pourrais te mettre une cape. Ouais, mais ça va faire louche. Rasse-toi, nous sachons deux minutes. Ouais, c'est sûr, ça marche. Non, tu sais ce que je te propose. Sinon, c'est pas grave s'ils nous voient. On assume. On assume comme ça. Et on sort notre médaillon de l'ordre rouge. Ah mince, super génial. Qu'est-ce que t'as pas compris quand Rekniménée a dit qu'il fallait qu'on reste discret? C'est fou que ça soit moi, la voix de la raison. Il y a 5 personnes devant vous. Parce que moi, je me retourne, je me mets de dos, du coup. Non, tu sais ce qu'on fait. On retourne à l'auberge.
Très bien, retournons à l'auberge, très bien. Yarn est dans notre camp, on lui explique ce qui s'est passé, et on lui demande... Très bien. Il a peut-être des... tu vois, et... Pendant qu'il part, je l'attrape par le bras et on part pas trop vite. Mais sinon, on peut aussi essayer de se trouver. Moi, je regarde très rapidement autour. Il y a un endroit où on pourrait se cacher et voir si Maria sort. Vous pouvez toujours essayer. Mm-hmm. 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 Pour l'instant, tu sais quoi? Là, regarde, derrière les tonneaux. On se cache là, d'accord? Et on... Derrière les tonneaux? Derrière les tonneaux, il y a une bâche, on se met sous la bâche. On laisse juste un œil sortir. Il y a des tonneaux avec une bâche? Pourquoi pas? On se met derrière les tonneaux, sous la bâche, et le rat, il se met entre les deux tonneaux, et tu regardes à travers le rat, et quand Maria sort, on voit ce qu'on fait. C'est une super idée. J'ai eu plein de super idées. Je sais que ça te fait chier de le reconnaître, mais j'ai eu plein de super idées. Est-ce que moi, je peux... du coup, mon rat, il est dans la poche dimensionnelle. Ouais. Est-ce que, même si les portes sont fermées, je peux... le faire apparaître juste derrière Maria, tu vois, par terre, mais à un endroit où... Il faudrait que tu vois où c'est. Et je vois rien. Bah non, les portes sont fermées. Attends donc les portes s'ouvrent, j'essaie d'envoyer mon rat. Non, attends. Non. C'est génial, il y a un rat qui va apparaître comme ça d'un seul coup derrière Maria et derrière une nana de la Kadama, et c'est une super bonne idée, ça c'est super bien. On va derrière le tonneau, on se cache sous la bague, tu mets le rat, et on attend de savoir si on se regarde si c'est une bonne idée ce qu'il propose, ou s'il y a un autre endroit pour se cacher, où on pourrait être plus discret. Il y a un endroit avec des tonneaux, effectivement, enfin, évidemment il y a des endroits où se planquer. Bon bah allez, allez, c'est bon, on se met derrière les tonneaux, on se met sous la bâche. Voilà, sous la bâche. Faites-moi tous les deux un test de discrétion, s'il vous plaît. J'ai honte de faire ça. Soyez bon. En plus, oh là là. Ouais. Non, soyez bon. 5. Ouais. 18 et 2. Ah ben non, c'est pas 18 et 2, c'est 2 et... 18 oui, mais elle a fait et 2. 18 et 2. Ouais, ouais. Donc ça fait 3. 3 et 5. Oh là là. En fait, parce que vous êtes en train de parler et vous êtes un peu en train de vous engueuler sur les bords. Et ouais, mais non, mais c'est une super idée parce que les tonneaux, tu vois, on se met sous la bâche, machin. Et en fait, à un moment, alors que le ton monte et que vous essayez de le retenir, du coup, c'est 2, hein, ça. 3. 3. Peux mettre ça sur le compte de la douleur, s'il te plaît, Julien. Qui tape dans un des tonneaux qui est vide, en fait. Et le tonneau qui va se mettre à rouler, et tu vois la tête de tous les marchands et des deux gardes qui sont okay. à la porte qui okay. tournent vers vous. Ben moi j'essaie de me mettre dos à la porte, ouais, ouais. comme ça, pour pas que Maria, le kefto, c'est la jeune femme, nous voit. Quoi. Mais en tout cas, je me tourne à l'intérieur. Ah oui, pas. Mais ils vous verront pas. C'est juste que là, vous vous êtes fait juste capter par tout le monde. D'accord. Et ben moi je me relève et je... Excusez-moi, messieurs, dames, il y a des chambres pour ça. On vous laisse vos affaires. Allez, viens, chérie, viens avec moi. Du coup, vraiment, vraiment, vraiment pour le... Voilà. Pour le jeu. Pour le jeu. Je le fais, je lui prends la main, mais vite, et je sors comme ça. Et on marche, tu sais, main dans la main, comme ça, les bras très, très tendus. Comme ça. C'était une super idée, Gabriel. Maintenant, je crois que tu peux me lâcher la main, on est assez loin. C'est bon. Oui, ben voilà. Merci. Je te lâche la main. Pendant ce temps. tiens, Anaël, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Aha. Constitution de bière. Ah, perception. Constitution de houblon. De houblon. Un houblon test. 18. Ok. Je vois quand même encore des sauces. J'entends des petites boules blanches. Tu sors des latrines après t'être enfin soulagé. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça détend. Ouf. Surtout que la bière, ça, c'est. Tu savais pas que c'était aussi. Diurétique. Diurétique, comme ça, effectivement. Tu ne connaissais pas cet effet un peu pervers. Non. Et alors que tu sors des latrines, tu aperçois un peu plus loin. À l'angle d'une ruelle. Au début, tu te dis que c'est un homme assez grand, assez baraque, mais qui est emmitouflé dans un gros manteau. Mmh. Sauf qu'en fait, quand il tourne la tête, tu aperçois juste un peu de sa peau. C'est une peau grise, gris-vert. Ah. Et il tourne
Alors tout d'un coup, je me sens saisie d'une certaine tension, une espèce de peur encore, et je me secoue un peu à la tête, j'essaie de rassembler mes esprits comme ça, et sauf que je réfléchis pas trop, je pars pour le suivre. Discrètement ou pas? Oh bah oui. Fais-moi un test de discrétion. Avec toute la discrétion que je peux. Toute la discrétion d'une alpha. Un peu pompette. Bourré pour la première fois de sa vie. 12. C'est bien, 12. 12. Eh ben tiens, j'ai fait des toilettes. Les toilettes, c'est pas mal. Je suis discrètement. Effectivement, tu essaies d'être discrète, le plus discrète possible. Bon. Apparemment, ça ne fonctionne pas des masses. Et en fait, tu vas le suivre. Il va tourner dans deux ou trois ruelles et tu vois qu'en fait, à un moment, il accélère le pas et... Je cours jusqu'à l'endroit où je le perds de vue. Fais-moi un test d'athlétisme alors. Oh mais oui, mais je suis à fond, moi, de l'athlétisme. C'est bien, j'ai un très bon carac en athlétisme. 17. Oui. Mais tu le perds de vue. Je le perds quand même de vue. Ouais. C'est Marie, il est compétent. 17 avec des jambes de 60 Fute. Cm. Oui, c'est ça. Il est compétent. Du coup, je regarde partout. J'essaie de voir si je trouve pas un indice, de voir. Il a fait pouf comme ça. Il a tourné dans 2-3 rues et puis en fait, tu. D'accord. Tu te retrouves à savoir où il est parti. D'accord. Non. Pas une odeur particulière. Pas d'odeur particulière. Ça sent la bière. Juste la bière. Ça sent vraiment la bière. J'ai un petit Roland. Un petit Roland de bière. Très bien. Eh bien, je me dis qu'il faut que je retourne à l'auberge. C'est vrai, où est-ce qu'elle est l'auberge? Faut que je retourne à l'auberge. Fais-moi un test de survie. Ah bah oui, c'est pour se repérer, c'est survie. 16. Oh bon. Oui, tu vas un petit peu tourner, mais tu finis par retomber sur une ruelle que tu connais. Et tu fais je suis passé par là. Ah, ok. Et du coup, j'essaie d'accélérer le pas et de retourner à l'auberge pour prévenir Asgir et Nel. Qui sont en train de. Pas du tout papoter. Silence. J'essaie de le. Oui. Je suis un peu surexcitée, donc j'essaie de raconter, mais j'ai l'impression que j'oublie 2-3 informations, parce que je parle de l'oiseau avec qui j'ai discuté, et du coup de l'homme, parce que je suis sortie des toilettes, parce que alors ça faisait vraiment... C'est difficile au niveau de la vessie quand on boit de la bière. Il avait la peau verte, un peu grise, et l'oiseau, il avait dit ça, il avait parlé à quelqu'un un peu la peau comme moi, mais moi, j'ai pas la peau verte, j'ai la peau verte. Et du coup, je l'ai suivi, très très grand, comme ça, avec un capuchon et tout ça, et pouf pouf. J'ai tourné dans une rue, il était plus là. Pouf pouf. Naël, tu parles beaucoup trop vite. J'ai l'impression que ça a un rapport avec ce qu'on a vu, les hommes qui sont morts et la grosse bête. Redécris cet homme. Très grand. Il est tout en capuchonné dans un gros capuchon. Et à un moment donné, il s'est tourné et j'ai vu sa peau. Je pense que ça a l'air d'être un... comme un orque, comme les hommes qu'on avait vus, vous rappelez? Je me tourne vers l'aubergiste et je lui demande si ça vous dit quelque chose. De quoi? Eh bien, là, je re-raconte tout et tout. Quand je suis allée faire pipi, jusqu'aux latrines, au moment où ça m'a soulagée, jusqu'au moment où je l'ai vu, qu'il a tourné la tête et j'ai suivi et j'ai tourné. Et après, j'ai tourné à gauche et après, j'ai fait passer 3 pâtés de maison et j'ai tourné à chat. Et jusqu'à un moment donné, j'ai cru que je l'avais perdu alors qu'en fait, non, je l'avais pas perdu et je l'ai retrouvé et j'ai continué. Et à plus d'un moment, j'ai tourné et là, il était plus là. Non. Et après, je lui raconte l'oiseau. Est-ce qu'il y aurait un endroit où on pourrait discuter tranquillement, au calme? Ouais, bien sûr, il suffit de demander. Je vous demande. On n'attend pas vos amis? Et moi, du coup, je continue. Ça vous dit quelque chose, une grosse bête? Et là, je lui fais toute la description de ce que l'oiseau m'avait dit et tout ça. Anaël, il y a du monde ici. Je sais que tu es d'humeur joyeuse, mais essaye de faire profil bas. D'accord, je parle moins fort. Et alors, tu es une grosse bête? Non. Tu l'as déjà dit, on a compris.
D'accord. On je répète pas tout à l'heure. Ne parle pas du tout. Je reprends un morceau de fromage. Bien. Oui, vous avez raison. Peut-être il serait plus sage d'attendre Elena. Il ne devrait pas tarder. Normalement, ça prend pas longtemps de faire l'enregistrement. Oui. Ça fait combien de temps qu'ils sont partis là? C'est pas. Oh, le temps que vous parliez, qu'elle fasse son petit tour, etc. Ils vont revenir. Mais moi, je sais pas si je reviens parce que franchement. Ah, je me dis vraiment, il y a le Maria est là, il faut qu'on sache si elle ressort à un moment, il y a le... qu'on puisse quand même aller voir le Keftos et savoir où elle va, quoi. Moi, je me dis ça, j'hésite vraiment. Je te tire par la manche dans une ruelle. Bon, écoute, Gabriel, quoi? On va rejoindre les autres, il faut qu'on prévienne Asgir que sa mère est là, c'est quand même important pour non, lui, s'il te plaît, le sache. Attends. Asgir va réagir de façon émotionnelle, juste là, aujourd'hui, tout de suite là, maintenant. Il faudrait qu'on sache si Maria sort de chez le Keftos. Et si elle sort de chez le Keftos, où est-ce qu'elle va? Qu'on sache, nous, on va devoir sortir de l'auberge et marcher. On risque de tomber sur elle à n'importe quel moment. Si ça se trouve, ma mère est là, si ça se trouve, ton père est là. Bon, et on va rester tiré dans l'auberge. Quoi exactement? N'ayant peur de ne pas tomber sur elle. Essayons de savoir et de voir où est-ce qu'elle va. Moi, j'ai toujours mal, donc j'arrive pas trop à prendre des décisions. Je suis un peu perdue. Je regarde la distance. On peut dire qu'on s'est éloigné de moins de 36 mètres? Ah non, de plus de 36 mètres, là. Bah oui, on est proche de l'auberge. Eh ben, on se rapproche de la... On se rapproche de la maison du Keftos par une autre rue. Mm-hmm. D'accord? Histoire d'être pas trop loin. Et suffisamment pour que tu puisses envoyer maintenant... T'envoies ton rat, là. Du coup, j'écoute ce qu'il dit sans trop réfléchir parce que j'arrive pas à prendre des décisions claires. C'est pas clair dans la tête, j'ai mal. Donc je fais apparaître mon rat et je l'envoie autour de la maison du Keftos. Fais-moi un petit test de perception pour ton rat. Donc pas désavantage cette fois-ci. Juste un des 20 parce que je crois pas que c'est... Ah, c'est des 20. Sans désavantage, ok. Ouais. J'ai la shkoumoun, quoi. Aujourd'hui, c'est pas ma journée. Cinq. Six, si je compte. Tu vas mettre un petit temps, en fait, parce que ton rat va être obligé de tourner un peu autour de la maison. Il passe... Alors, c'est assez encombré, hein, autour de cette maison. Il y a des caisses, il y a des tonneaux, il y a plein de choses, donc tu peux te faufiler. Tu vas mettre une vingtaine, 20-25 minutes à trouver, en fait, un petit trou dans le mur qui te permet de faufiler à l'intérieur. Enfin, d'abord, de passer sous la maison, en fait, et de ressortir à l'intérieur de la salle. Du coup, de ce que tu vois à l'intérieur, tu vois le... Donc, il y a ce grand bureau avec un clerc qui est en train d'enregistrer des marchands, des marchandises, des choses comme ça. Derrière, là où apparemment Gabriel avait vu Maria, le Keftos, c'est cette jeune femme, il n'y a pas Maria. Maria n'est pas là. Difficile de dire où elle est. Jette-moi un des 10, s'il te plaît. 3. Ok. Cependant, tu aperçois le Keftos qui est encore en discussion avec cette jeune femme de la Kadama. Excuse-moi, je la reconnais. Ouais. Ouais. Attends. Izia. Hein? Izia. Elle est en train de parler avec le Keftos, c'est un peu de tout et de rien, de la gestion de la cité. Enfin, de la cité, de la ville. Voilà, c'est pas très intéressant à écouter, hein. C'est vraiment de la gestion triviale. T'as l'impression, en tout cas, de ce que tu entends, t'as l'impression qu'elle agit comme une sorte de conseillère, tout simplement. Ce qui est pas forcément étonnant pour quelqu'un qui sort de l'Akadama. Ok. Donc je la reconnais. Oui. Ok. Très bien, il n'y a pas d'autres informations, donc j'ai reconnu Izia. Du coup, je me reprojette à l'intérieur de moi. Et je fais redisparaître mon rat dans la poche. Alors? Maria n'est plus là. Bon, ben, ça déjà. Par contre, le Keftos est encore en train de discuter avec une jeune femme qui s'appelle Izia. D'accord.
Et lui, il s'appelle comment? Lui, je sais pas comment il s'appelle. D'accord. Et comment tu sais qu'elle s'appelle Izia, alors? Parce que je la connais bien. C'est vrai? T'as non. Pas le droit. Non, en plus. C'est dégueulasse. Non, en plus, c'était vraiment. Non, je t'ai vu. Je te jure que non. Ah non, je te jure que non. Excusez-nous, la petite querelle de couple. Non, rien vu du tout. Bon, bref. Parce que je la connais bien. D'accord. Vas-y, raconte-moi un peu. Non, j'ai pas envie de te raconter maintenant. Si tu veux bien. Ok. Parce que tu prends les choses de façon personnelle ou parce que... Oui, sûrement. D'accord, ok, ça justifie. Ouais. Bon, du coup, je ne sais pas où est Maria. Ça veut dire qu'elle est... Je ne sais pas si elle est encore... Tu t'entends bien avec cette Izia? Gabriel, on peut en parler plus tard, s'il te plaît. Non, je voudrais juste... Hé, hey, s'il te plaît, d'accord? On est là pour sauver le monde, je te rappelle, donc... On met un petit peu nos querelles de côté et on avance, on est des adultes. En tout cas, moi. Oui, très, oui, je la connais très bien, oui. Et je m'entends très bien avec elle. Eh ben, super. Ça va? Oui, eh ben, ça me va très bien, comme ça, on va pouvoir lui demander ce que Maria leur a dit. Eh oui, tu vois? Oui, sauf qu'elle était avec Maria, donc je ne sais pas de quel côté elle se situe pour l'instant, même si je m'entendais très bien avec elle pendant de longues années. Bon, écoute, je te propose, maintenant qu'on a les informations, qu'on retourne à l'auberge et qu'on informe Asgui, on informe Nel, on informe Naël, si elle est plus bourrée, de ce qui se passe. Oui, et bah très bien, allons-y, très bien, ouais, allons-y. Merci. Mais de rien. Une grosse heure après. Mais c'est ce que j'allais dire, parce qu'il s'est quand même passé... Voilà, ouais, une bonne grosse heure. Bah non, moi je pense que... On les a pas attendus. Anaëlle, elle dort sur la table. Non mais ouais, en fait, il s'est passé... Parce que t'as aussi le... Anaëlle, ça lui a pris une bonne trentaine de minutes. Enfin, le temps que vous mangez, etc. Mais nous, concrètement, ça fait une heure et quart qu'il n'y a pas de bruit et qu'on est là. C'est ça. Non, mais parce que... Enfin, en tout cas, moi, à un moment, je suis sortie pour ça, pour essayer de regarder, voir si je les aperçois quelque part dans la rue ou quoi. Non, non, bah non. Quoi, pourquoi non, quoi. Bah, non, parce que tu les aperçois pas. Ok. Moi, je me suis vraiment endormie sur la table. Pendant ça, pendant ce temps, j'ai sorti ma. J'ai une bourse comme ça dans laquelle j'ai toujours des dés. Et avec ma chère amie Nel, on a joué aux 5000. Très bien. Oui. Pendant une heure. Mais voilà. Nel, elle a la table ici, mais enfin. Ouais, en fait, d'un coup, t'entends. Et nous, on balance nos dés comme ça. Avec un ronflement étonnamment puissant pour sa petite taille. Oui, oui, je suis réputée pour ça. Ouais. C'est un coffre assez impressionnant quand même. Moi, je joue, mais je joue quand même pas. Je suis pas dans mon assiette. En plus, je vois le temps qui passe et je suis. À un moment, je dis à Asgir, je m'inquiète pour Elena Asgir. Là. Parce qu'ils sont partis ou... Déjà parce que oui, ça fait un moment qu'ils sont partis. Alors je sais pas combien de temps ça prend pour s'enregistrer, mais voilà, mais... La blessure qu'elle a, je l'ai vue, elle est en train de s'étendre et... Je sais pas ce que c'est. Et Moustache. Il n'a rien vu. Non, il a rien vu et puis... on n'a pas eu le temps de lui parler. Et elle voulait même pas lui en parler à la base. Je sais pas ce qu'elle a. Elle est contre Gabriel en ce moment. Enfin bon, ils poussent aussi un peu loin. Oui, ils sont fatigants tous les deux. Je suis d'accord. Mais peut-être là, peut-être qu'en ce moment, ils passent un très bon moment. Qui sait? Comment c'est un très bon moment? Je veux dire, ensemble. un moment amical, un moment. Ils sont allés s'enregistrer, c'est tout, voilà. Oui, enfin quoi? Un moment. Amical, un moment amical. Oui. Laisse les gens aller au bout de leur phrase si tu ne veux pas avoir de grosses surprises. Mais non, mais je suis. D'accord, oui, bah, écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Bah non, je sais pas, mais je m'inquiète. Enfin, je sais pas, elle est blessée et je me sens responsable et. Bon, bref, oui, j'ai hâte qu'ils arrivent, c'est tout. J'ai hâte de parler de ce qu'on vient faire ici. J'ai envie d'en savoir plus. C'est long, là, 2 mois de voyage et on n'a pas avancé, c'est tout. Là, ça fait pouc. Naël, elle tombe sur la Ça la réveille pas, elle continue à ronfler. En voilà une qui est paisible, en tout cas. Toi et... Elena.
quoi. À toi de me dire. J'ai rien à dire, Esquire. Elena, c'est... C'est Elena, c'est tout. C'est... Oui, comme moustache et moustache, mais je ne fricote pas avec lui. Mais je fricote pas du tout avec Elena, ça... Non. De toute façon, elle s'est jamais intéressée à moi. Elle m'a toujours regardée juste comme une très bonne amie. C'est ce qu'on est, on est très bonnes amies. Et de toute façon, j'ai envie d'être là pour elle, c'est tout. C'est quelqu'un, c'est... C'est la personne en qui je tiens... Bref, on peut parler d'autre chose, Esquire. Tu as raison. Au moins une qui est paisible. Je suis désolée, je voulais pas te répondre sèchement, c'est juste... que oui, je me sens responsable. Je sais. Les portes s'ouvrent, alors que vos deux compagnons entrent avec une tension palpable. Elena est en train de fulminer. Elle souffle en entrant la première, je pense. Oui. Oh, j'ai bien peur qu'il n'ait pas passé un moment si convivial que ça. Oui, comme tu dis. Bon, on est désolé, je sais pas combien de temps on a mis, mais il y a du nouveau. Plus d'une heure. Et 12 minutes. Et 5 parties de B. Je suis désolée. C'est moi qui ai dit. Vas-y, dis-lui. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'assois. Vous êtes enregistré? Non. Non. Ah, je reste assez. 1 heure et 12 minutes de file d'attente pour ne pas passer à la caisse. Bravo. Qu'est-ce que vous avez fait, Basile? Vas-y. Avale ta gorgée. Pousse-toi. Alors. Attendez, est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Et c'est très, très important. Là, je regarde le tavernier. Est-ce qu'on pourrait maintenant aller dans un coin plus discret? Il suffit de demander. Oui, si on pouvait aller dans un coin plus discret, ce serait bien. Allons-y. Il va vous ouvrir une pièce sur le côté. Je prends un arrêt, je la colle sur mon épaule. Et puis un petit rot. Et voilà, paisible. Donc on arrive. Et vous rentrez dans une petite pièce. Alors c'est un espèce de salon assez modeste. Enfin, de salon. Grande façon de parler. C'est une arrière-salle assez modeste avec quelques chaises, une table. Il va vous ramener vos assiettes, votre pain, votre fromage. Et fermer la porte derrière lui. Ah, bah quand tu me poses, du coup, ça me réveille. Vas-y, vas-y. Ah ! Alors, vous êtes enregistré ? Yann. Repousse-toi, Ned. Désolé, on ne fait pas partie de l'Ordre Rouge depuis très longtemps. On est un tout petit peu novice en la matière. On va t'expliquer un petit peu plus profondément. Il serait temps. Oui, Asgir. Maria est là. Oh, quoi? On a vu ta mère... voilà, dans la mairie, là-haut, dans la maison du Keftos, qui était en train de parler avec le Keftos, justement, et une autre personne que moi, je connais très bien, voilà. Vous l'avez vue? Elle vous a vue? Non, elle ne nous a pas vus. On est ressortis, on a voulu se cacher, ça a été un fiasco total. Enfin, on n'est pas ressortis. On a cru qu'on était en couple, on est ressortis, on a dû se tenir la main, on est passé par l'extérieur, j'ai fait sortir mon rat, j'ai fait rentrer mon rat, enfin bref, c'était du grand n'importe quoi. Moi aussi, j'ai eu... Est-ce que vous êtes vraiment désolée? Quoi? Vous vous êtes fait repérer? On s'est fait repérer par 4-5 personnes, mais pas par Maria. Par 4-5 personnes... Qui ont cru qu'on était en couple, bon, c'est pas très très grave. Voilà. C'est pas très très grave, mais a priori, ça la tend un petit peu. Bah oui, ça me tend, j'ai pas envie qu'on croie que je suis en couple avec toi, enfin, je veux dire... Le rat, c'était pas si n'importe quoi que ça, parce qu'au bout du compte, elle a su que il y avait Isia, donc à l'intérieur, qui est quelqu'un qu'elle connaît, de la caserne. Tu nous avais pas dit que tu connaissais quelqu'un qu'elle aime beaucoup. Et là, je tape très fort, tu vois, sur la table. Nous avons fait un très, très long chemin. Pour venir jusqu'ici. Je sors mon médaillon. Ptiméné nous envoie.
Il paraît qu'à Lugan, il se passe des choses horribles. Ou qu'il se trame des choses. Des choses étranges. Horribles, je sais pas encore. Bref, étrange, oui. L'étrange mène forcément à l'horrible un jour ou l'autre. Maria, c'est la mère de Asgir. Gabriel, enchanté. Nell, Anaël, Elena. Et donc Asgir. On vient de Glaster, plus au sud. Et on a eu Maria partir. Vous êtes au courant du bien sûr, tout le monde est au courant. Bien sûr que tout le monde est au courant. Alors, voilà, on vient de Glaster et nous ne sommes pas étrangers aux raisons qui ont conduit la contrée à sa perte, ou en tout cas à sa mise en jachère, dirons-nous. Ectimene nous envoie sur les traces de l'Ordre Blanc. Ouais, je soupçonne qu'il soit présent en ville, ouais. Et en l'occurrence, Maria, la main d'Asgir, Corée, la mienne, et Draco, le père d'Elena, sont à coquiner avec l'Ordre Blanc. J'ai pas entendu parler d'une Corée ou d'un Draco. Par contre, Maria, effectivement, c'est une des conseillères les plus proches du Keftos. Chouette. Depuis combien de temps est-elle ici? 3 mois. Trois mois et demi. Quelqu'un s'occupe de suivre ses faits et gestes, ou pas encore? C'est compliqué de suivre ses faits et gestes. Est-ce que vous savez où elle loge? Où elle se rend, où elle loge, effectivement. Elle loge, je pense, chez le Keftos. Elle n'a pas de maison ici. Est-ce que le comportement du Keftos a changé depuis ces 3 derniers mois? Le Keftos est une ordure. Autant vous dire que son comportement n'a pas changé depuis ces derniers mois, non? Quel est son nom? Skald. Skald Thorinson. Skald Thorinson. Est-ce que vous avez repéré d'autres personnes que vous pourriez assigner à l'Ordre Blanc? Juste votre Maria. Elle en a tous les signes. Elle participe au pouvoir. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais... ça fait quelque temps que les disparitions se multiplient dans le coin. Combien de temps? 4 mois environ. Peut-être à cause de l'homme que j'ai vu dehors, là. Quand, celui qui est avec la grosse bête. Quand il dit ça et que Anaël aussi dit ça, je prends juste l'arme que tu avais cachée, tu vois, dans ton dos, et je la pose sur la table. Il va prendre l'arme, va la faire tourner un peu. Ah. C'est certainement un combattant expérimenté. Tu vois qu'il manie très bien l'épée. Il va soupeser la lame. Elfique, clairement. Pas de Silgedrim. Pas des montagnes non plus. Ça ressemble pas aux armes des elfes de cristal, ça. Ça ressemble? Non, ça ressemble pas. Ça ne ressemble pas aux armes des elfes de cristal. Je sais pas d'où ça vient. Il va regarder un peu la lame, les gravures. Elfique aussi. Nitin Chanta, Nitin Fiora. Ah. Vous avez trouvé ça où? Justement, on a... à quelques minutes de la ville, on a trouvé des marchands qui ont été assassinés. La carriole qu'on a amenée devant votre auberge, c'est à l'entrée de la ville qu'on l'a trouvée. Une dizaine de cadavres. Des marchands, des passants, je ne sais pas qui, mais apparemment des gens qui devaient... Et justement, oui, on te fait signe pas... de tête pour que tu me donnes... Ouais, je sors le papier. C'était pas spécialement des marchands. Ils étaient envoyés par Wisselheim pour cartographier la région. Et on lui montre, du coup, le document qu'on a trouvé. Ouais. Ils sont passés par là aussi.
des érudits de Wissenheim, ouais. Bon. On leur avait volé quelque chose? À part la carriole? Est-ce que nous, on leur a volé? Est-ce qu'on leur a volé? Est-ce qu'on leur a volé? Non. Difficile, cette carriole, elle n'avait pas l'air d'avoir été... Mais les gorges tranchées, baignant dans leur sang, encore frais. Et des empreintes de pas d'une créature inconnue. La grosse bête. Une grosse bête, en effet. Et là, je lui tends le parchemin où j'ai dessiné l'empreinte. Bah, regardez. C'est gros. Gros comment? Très gros, m'a dit l'oiseau. Elle parle aux oiseaux. Très bien, non, je voulais savoir la patte. C'est l'empreinte, elle ressemblait à... Elle est à taille réelle. D'accord. T'as un gros parchemin, dis donc. Je sais pas ce que c'est, mais... 4A, non. 5 doigts. Ok. Quelque chose qui tient d'un lézard, peut-être. L'oiseau a dit avec dur, la peau dure, comme une espèce de carapace ou... En tout cas, pas de poils, pas de plumes. Un lézard, peut-être. Un lézard? Quelque chose... Un grand lézard. Très un lézard gros. Géant. Voilà, et quelqu'un qui était sur son dos. On n'a pas ça dans la région, normalement. Un lézard géant. Peut-être qu'il vient d'un autre monde aussi, du monde miroir. Oui, parce que, bon... Monde miroir, vous connaissez ou pas? Je connais le monde miroir. Bon, ben voilà. Mais on n'a pas de passage dans la région. Pas d'ouverture, en tout cas rien de connu. Oui, après ils peuvent traverser à travers. Je lui décris où est-ce que c'était à l'entrée de la ville, que les traces menaient jusqu'à la forêt et qu'elles disparaissent dans la forêt. On a déjà eu des attaques de caravanes ou autres, des massacres. Mais personne ne sait de quoi il s'agit. Après, on s'est si dit c'est... que c'était peut-être des pillards du Nord. Si c'est des érudits de Wissenheim, peut-être qu'on leur a dérobé sciemment et volontairement des écrits. Peut-être. Ou les cartes qu'ils étaient en train d'établir de la région. Possible. Ouais. Comment c'est on pourrait vrai. Savoir s'il leur a été dérobé des choses? Bah, on faudrait... n'a rien retrouvé d'autre. Il faudrait envoyer un message à l'université de Wissenheim. On n'a rien retrouvé d'autre. Pour savoir s'ils transportaient des documents. Et lesquels? Ils en avaient forcément. Oui, mais on ne sait pas ce qu'il transportait, enfin... À part le papier que t'as trouvé sur le monsieur, on n'a rien trouvé c'est d'autre. C'est vrai que si ils ont l'habitude de cartographier la région, ils auraient peut-être du matériel avec eux, des parchemins. Et il n'y a rien dans la carriole, il n'y reste que des provisions. On a regardé, ouais. Donc on leur a définitivement volé quelque chose. Ouais. Bien. Mais tout ça... semble se rajouter aux problématiques que nous avons actuellement ici, en tout cas. Qui sont donc? Les disparitions. Des disparitions régulières. Qui? Mais... Quel profil? Pas de profil particulier. Des travailleurs, généralement des gens d'une relative basse extraction, qui partent travailler dans les bois et qui ne reviennent pas. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été menées, qui sont menées? Non. À quelle fréquence? Les disparitions? Eh bien, ça dépend. Toutes les semaines, toutes les deux semaines, trois semaines, ça dépend. Parfois, certains sont revenus, mais sans mémoire particulière de ce qu'il s'est passé pour eux. Et avec des traces? Aucune. Mais je ne comprends pas, il y a des disparitions et il n'y a pas d'enquête qui est en cours? On a Lugan ici, mademoiselle. On n'enquête pas sur des pécores qui se font tuer par des animaux sauvages dans les bois. Et là, moi, je sors mon insigne. Je dis, et si on enquête sur des pécores qui se font attraper dans les bois? C'est pour ça qu'on est là. Un peu trop dramatique? Ouais. Façon de le dire? Léger. Ok, c'est ma première fois. J'avais prévenu. C'est pas mal. C'était bien tenté, quand même. Belle tentative. Ouais. 5 sur 10. Ça me va, parce qu'au départ, faut savoir que moi, j'étais absolument pas sur pour le fait de faire ce job-là. Je suis venu là pour la prime, tout seul, le côté un peu aussi mais voyage. Moi, j'y ai cru, là. Je... Oh. C'est mon élève, je lui apprends des trucs. Elle est gentille. Elle adore.
Bref. Quoi qu'il en soit, la région est depuis quelque temps en proie à des choses un petit peu bizarres. Et ce que vous voyez me fait dire que ça va être de plus en plus bizarre dans les semaines à venir. Ah ben, Maria, Ordre Blanc, disparition... Et vous savez ce qu'ils font là ? Le monsieur bizarre. Non. Le monsieur bizarre. Oui. Quel monsieur bizarre ? Ici, du coup, blablabla, je leur raconte. Pardon. Le monsieur bizarre. Voilà. Ouais. Par contre, nous avons un deuxième problème, c'est que... Où allons-nous loger ? Parce bah, que, est-ce que Maria se rend à l'auberge ? Non, l'auberge, non, c'est ici. Le Keftos, sûrement. Maria ne se rend pas ici, ne vous inquiétez pas. Très bien, donc on peut rester dormir là. Vous êtes les bienvenus. Vous elle est venue seule ? Qu'est-ce ? J'en sais rien. Moi, je n'ai vu qu'elle. Tout à l'heure, elle était avec une jeune femme. 25 ans, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Lydia ? Oui. Oui, c'est la conseillère du Keftos. Combien il a de conseillers ? Ah oui, d'accord. Et elle est comment ? Elle fait ce que le Keftos lui dit. J'irais pas dire qu'elle est bienveillante, mais... Disons que c'est... Disons qu'elle est un tout petit peu moins... mauvaise que le Keftos. Vous saviez fait... que... Ça fait allait... Pardon, ça fait longtemps qu'elle est là ? Ça va faire un an et demi. Vous saviez qu'on allait venir ? Vous aviez été prévenu ? Je savais que des gens allaient venir, oui. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'ordre autre par rapport à toute cette histoire de... d'ordre blanc ? C'est-à-dire ? Ben, y a plusieurs lieux où on a repéré des personnes qui pourraient en faire partie et... Notamment près de Silgedrim ou vers les murs des terres. Ça, c'est pas mes affaires. C'est Kitibene qui s'en charge. Moi, je gère ici et j'ai déjà assez de problèmes à essayer d'avoir des ressources pour gérer les problématiques de cette petite parcelle d'Empire. Vous disiez que le Keftos était une personne pour le moins désagréable. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Pourquoi ? Essayez de le contrarier un jour. Vous verrez à quel point il peut être désagréable. Expéditif aussi. Quel genre de politique mène-t-il ici ? La politique nécessaire à son enrichissement personnel. Il ne souffre pas la contradiction. Il ne souffre tellement pas la contradiction que la plupart de ses contradicteurs sont emmenés en geôle ou retrouvés parfois... Ou pas, d'ailleurs. Justement, la disparition ? Non, pas des contradicteurs. Justement, ce ne serait que ça. Il s'agit de justice humaine, dirons-nous. J'ai bien envoyé quelques messages à la Légion de Norfortin, mais... il semblerait qu'il ne soit pas... que le commandeur Helios ne soit pas... enclin à nous envoyer des troupes. Ok. Et quels sont vos rapports avec le Keftos ? Est-ce que... il reste cordiaux ? Moins le rapport avec lui, et mieux je me porte. Et j'imagine que personne ne sait que vous faites partie de l'Ordre Orange. Bingo. Moi, je pense que ça n'est pas une très bonne idée qu'on aille s'enregistrer. Vous n'avez pas le choix. Là, je vous le dis, vous n'avez pas le choix. Alors, si vous craignez de tomber sur cette Maria, faites attention au moment où vous irez, mais enregistrez-vous. Si jamais vous utilisez la magie d'une manière ou d'une autre et que l'on vous voit et que vous n'êtes pas enregistré, ça va très mal tourner pour vous. Merde. Les gens n'aiment pas les sorciers ici. C'est bien compris. Ça tombe bien. On n'est pas sorcier, on est voxomancien. Et académicienne. Et académicienne. Voilà. Il n'y a pas de sorcier. Faites-vous enregistrer. Il est quelle heure à peu près là dans le... Milieu d'après-midi. Milieu d'après-midi. Où habite le Keftos ? Dans le grand hall. C'est sa maison. Ah, on... quand c'est là où on était. Là où il se Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah on a bien papoté là. Hein. Moi je dis qu'une bonne nuit de sommeil là-dessus,
Ça va permettre de, d'y voir un peu plus clair. D'y voir. Je sais qu'il est un peu tôt pour aller se coucher, mais personnellement, j'ai rien contre un bon bain et contre un bon lit. Est-ce que vous connaissez l'identité de plusieurs personnes qui ont disparu? Est-ce qu'ils avaient de la famille qu'on pourrait interroger? Je suis pas sûr qu'ils partent aux étrangers. C'est un petit peu le problème de ces villes au bout du monde. Les gens sont méfiants, et d'autant plus méfiants envers toute personne qui vient de l'extérieur. Pourtant, on est les seuls à bien vouloir les aider, apparemment, donc... Ouais, mais... Enfin, à moins que vous vouliez dire que vous faites partie de l'ordre, mais... Non. Est-ce bien une bonne idée? Ce qu'on pourra faire à partir de demain, c'est aller voir dans la forêt, là où les traces menaient, d'accord, à l'entrée de la ville, et les forêts où ont disparu les gens. Moi, j'irais on peut déjà aller voir. J'irais bien faire un tour dans la ville aussi, voir si je retrouve cet homme encapuchonné. Pas toute seule, Annaëlle. Ouais, pour l'instant, Annaëlle, ça n'est pas une bonne idée. Allons-y alors, à plusieurs. Oui, on verra. En tout cas, pour ce qui est de la forêt, si cette créature venait d'un monde miroir, elle a dû disparaître. Ils avaient dû avoir un miroir avec eux, ils ont dû disparaître un comme portail, ça. Un portail, tu veux dire? Ça n'existe pas, ça. Comment ça? Le monsieur a dit qu'il n'y avait pas de portail dans le coin. Ou en tout cas, pas que vous sachiez. Vous êtes en train de parler d'une ouverture portable créée par quelqu'un. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça n'existe pas. On ne provoque pas les passages des mondes miroirs. Les passages s'ouvrent. Très bien. Dans la région de l'Ordre Rouge, juste à côté de la citadelle, on a vu des créatures qui venaient d'un monde miroir et il y avait un cadre à côté. Ça veut dire que ce cadre était là avant? Ah, certainement. Et qu'il a été posé par qui? Par quelqu'un de l'Ordre? Je n'en sais rien. Quelqu'un de l'Ordre ne prendrait jamais le risque de laisser quelque chose permettant d'ouvrir un passage. Jamais. C'était brisé. C'était cassé. Vous voulez dire que dans tous les cas, si il y a eu traversée dans un autre monde miroir, on aurait vu des traces dans cette forêt? Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas apporter un miroir en vous disant « nous allons ouvrir un passage sur un monde miroir ». Ils sont fixes. Les passages sont fixes, certains apparaissent, certains disparaissent. Ce sont tout le temps des surfaces réfléchissantes, de l'eau ou autre. Mais on ne provoque pas. À mon avis, il y a eu une ouverture de portail à cet endroit-là. Si les traces s'arrêtent net, je sais pas comment ils s'y sont pris, mais... Ça s'arrête net parce qu'il y a une forêt. Il faut aller voir dans la forêt. Peut-être que c'est une grosse bête qui monte aux arbres. Peut-être, mais on n'a pas regardé. Bon, en tout cas, il faut qu'on arrive à s'enregistrer sans tomber sur Maria. Oui, il va falloir refaire une tentative, oui. Asgir, je pense que ça... Il vaut mieux que tu n'y ailles pas, toi. Mais de toute façon, Asgir n'a pas besoin de se faire enregistrer. Il n'y a que vous deux. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, je suis fatiguée. Je crois que je vais aller me reposer. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux pas que vous ayez fait votre enregistrement avant de dormir? Est-ce que Gabriel, tu peux y aller aussi pour Elena ou pas? Non, ça doit être fait en personne. Alors on y retourne avant de dormir. Si Maria était là juste avant, peut-être une chance qu'elle soit pas là tout de suite, quoi. Et puis, on pourra envoyer ton hamster. C'est un rat. Ton rat. Bon, bah, essayons de retourner. Sinon, il y a des bons apothicaires dans le coin. Pas vraiment d'apothicaire. Des magiciens capables de soigner une blessure magique. Un enchantement. Oh là là. Une base de nécromancie. Vous parlez de quoi exactement? Non, rien. Je réfléchissais à voix haute. Je me disais si l'un de nous avait été transpercé par des pics de glace et avait une blessure nécromantique. Qui avait tendance à se répondre un petit peu, comment on pourrait la faire soigner? Demandez à Izia. C'est certainement la plus compétente en magie dans le coin. Ah bah c'est sûr, ça, c'est vrai ça.
après, si vous voulez, moi, je peux aller faire un tour en mode invisible pour vérifier si Maria est dans les parages, et puis je reviens vous dire. J'ai combien de Doranel ? 2. Oh. T'es fort. Je sais. Combien ? 4. Mets-toi debout sur un pied. Touche ton nez avec ton coude. L'autre coude. C'est impossible, Gabriel. Bon, ok. Touche ton nez avec le bout de ton pouce. J'ai fait une grosse sieste, tu sais. Bon, tu peux y aller alors. Tu vas venir avec nous. Les portes s'ouvrent à intervalles réguliers pour laisser entrer les gens. Mmh. Tu viens avec nous. Ça dure combien de temps, ton invisibilité ? Sinon, je peux simplement me déguiser et je rentre et je ressors. Comme ça, on me voit, mais je suis pas moi. Je peux me déguiser en naine ou en alphelie. Un alphelin ou alpheline. Non, les déguisements, c'est nul. Tu peux pas te déguiser en naine. Arrête si, avec ça. Si non. Je peux. Mais non. Ben si, je peux. Ben non, je non, tu peux pas. Bien faire. Et non, là, tu peux coup, pas. Paf. Et tout à coup, tu as une naine qui apparaît devant toi. Il se pourrait qu'on ait un sorcier dans l'équipe, hein. Validé par l'Ordre Rouge. Kitimine est au courant. Ouais, bah je m'en doute bien si vous avez les médaillons, si vous êtes là. Et là, je sors de ma sacoche. Ouais. Discrétion. On essaye. Discrétion. On essaie de lui apprendre. C'est le. Croyez-nous bien. Le nom de notre équipe, discrétion. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous allez faire pendant qu'on retourne s'enregistrer ? Retrouver ma mère. Non. Non. C'est-à-dire ? Je ne resterai pas ici. Azaïa, s'il te plaît, pas tout de suite. Parler. Pas tout de suite. Dans la volonté. Dans 3 jours. Donne-nous 3 jours. Dans 3 jours, si tu veux, tiens à la voir. Donne-nous 3 jours. Tu sais que ta mère est plus puissante que toi. Peu importe. Peu importe. On a trop de choses à perdre, Azaïa. Mon frère, on a trop de choses à faire, à perdre. S'il te plaît. Apprends-moi. Apprends-moi à parler comme une naine. Parce que j'y arrive pas du tout, t'as vu, ça marche pas. Ouais. Donc là, concentre-toi sur ça, là. Si on pose des questions, je vais parler... Quoi ? Tu diras que tu es une surfacienne. Tu n'as jamais vécu dans les cités, tu es partie il y a longtemps. Tu n'as plus d'accent. Dommage. Dommage, ça aurait été drôle. Et tu vas y aller parce qu'il te faut une bonne raison. Tu vas y aller pour dire que... tu as vu des gens... mort et que tu as fait en sorte de ramener la carriole. Une naine, elle peut ramener une carriole toute seule. Non, mais j'y vais juste, si personne ne me demande rien, je ressors, c'est tout. J'ai fait non, une petite on visite. Va pas chez Keftos comme ça pour faire une petite visite. Tu y vas pour dire bonjour, je m'appelle un nom de nain, j'ai trouvé une carriole avec des gens morts, nain, j'ai amené la carriole. Je m'appelle un nom de nain. J'aime pas trop, mais. Combien de temps tu peux rester transformé ? 1 heure. Nous perdons beaucoup de temps. Nous perdons beaucoup de temps. Vas-y. Ne laissez pas la carriole devant l'ordre, devant l'auberge. Tu t'appelles Thaddeus. Thaddeus. Nous perdons beaucoup de temps. Ok. Tu as entendu, Anaël ? Oui. Tu amènes la carriole devant chez le Keftos. Non. J'amène la carriole elle devant chez le Keftos. Elle n'a pas la force d'une naine. C'est une alpheline déguisée. Mais les chevaux, ils avancent tous. Regarde. Je m'approche de Nel. Touche-moi. Je tâte. Ah, mais quoi ? J'essaie de tâter un muscle. Un bras. Mais là, tu... Et dans le vide. Tu vois ta main qui passe à travers l'illusion, en fait. Ouais. Et là, je vois... Ah, mais t'es là, en fait. Oh, waouh. Okay. Tu t'appelles ne Thaddeus. Ne perdons pas de temps. Tu t'appelles Thaddeus. T'as pas d'accent. Et Thaddeus, la carriole, tu l'as déposée devant l'auberge de l'ours géant. Il vaut mieux pas que s'il y a des gardes ou quoi, qu'on soit surpris. Bon. Ça attire les regards devant. J'ai pas devant du l'auberge. Tout à avoir envie de m'expliquer, qu'on me garde avant l'interrogatoire ou je ne sais pas quoi. Je vais juste faire un petit tour et je reviens. Et là, je pars. On fait ça. Okay. On te suit, tout de suite, on te suit. Très bien. Jette-moi un des 10. 7. Ok. Pouh. Tu. On sait pas. Non, c'est l'enfer, ces trucs. Tu te mets, en fait, tu te mets dans la file, juste avant eux.
histoire de pouvoir... Parce que bon, de toute façon, faut que tu attendes, hein. T'as une file d'attente, mais tu attends, vous attendez. Perdons pas de temps. J'arrête pas de répéter passe, ça. Le temps passe. Perdons pas de temps. T'as un marchand qui se retourne. Ouais, je sais, c'est long, madame. Ah oui, c'est terriblement long. Ne perdons pas de temps. Ouais, que le dites-vous? J'ai une heure que j'attends. Oh, ne perdons pas de temps. Et vous attendez. Moi, je regarde en même temps, hein. Je suis quand même attentive, j'essaie de faire gaffe. Bien sûr. Les portes s'ouvrent devant toi. Le marchand qui était juste devant toi, bah, qui est rentré avant, sort. Tu rentres. Il y a un bureau. C'est une grande pièce avec un bureau, avec un clerc qui est en train de prendre des notes, qui lève les yeux. Il est assez jeune. Il a des bicycles. Il te regarde. Pourquoi, madame ? Je retourne ma carriole. Ne perdons pas de temps. Je regarde partout et je vois Maria ou pas? Non, il y a juste le clair. Alors du coup, je me retourne et je ressors. Et je pars. Et du coup, je passe à côté d'eux et je leur fais un petit clin d'œil comme ça. Il lève un sourcil. Enfin, tu voyais qu'il lève un sourcil. Il reste complètement interloqué. Vous entendez juste. Vous semblez lire sur son visage quelque chose qui ressemble à. What? Et en fait, tu sors. Du coup, vous vous retrouvez tous les deux dans cette pièce. Les portes se ferment. Et au moment où les portes se ferment, ton déguisement s'arrête. Eh ben, je m'en rends compte du coup. Tout ah, bah suite. Oui, bien sûr. Et personne aussi? Il y a des gens autour de moi. Oh pardon. Oui. Ben voilà, très bien. Oui, très bien. Non, comme si de rien n'était. Fais-moi un jeu de super chérie, s'il te plaît. Et je ressors. Attends, pour réussir ça. Oui, mais bien sûr. Mais alors, non, j'y crois. Enregistré, tout va bien. Ben oui, c'est ça. C'est vrai. 18 plus 7. Mais oh, je peux avoir t'aider, c'est... sérieux. Ouais, c'est clair. Ils sont plombés. Ouais, je pense que ces dés sont pipés. Ouais. C'est ouf. C'est ouf. Je prends dedans, je prends dedans. Ça fait quoi? Ça fait 25. 25. Wow. Non mais attends, c'est quand même la seule qui autour de cette table se pose des questions, genre 17 plus 7, ça fait combien? 18. Sinon, on a l'air 2 plus 2. 1 plus, oh non. Ne perdons pas de temps, alors. Et tu redescends tranquillement jusqu'à l'auberge. Vous deux, les portes se ferment derrière vous. Vous êtes face à ce clerc, qui est seul, il n'y a personne d'autre. Est-ce que je peux pour vous? On vient s'enregistrer. Tout à fait. On vient s'enregistrer. Vous enregistrez pour? Je suis académicienne et mon ami est voxomancien. Bien. Vos noms? Gabriel Magnus. Gabriel Magnus, oui. Et Elena Elemnis. Elena Elemnis. Tout à fait. Très bien. Et il note. Bien, vous avez les broches de vos académies. Bah, du coup, moi, je les montre. Je prends la main à la veste. Ah, vous savez que cette broche devrait être portée à tout moment sur votre veston. Effectivement, mais elle mérite. C'est vrai. Le téton. Mais en l'absence de cette broche, certains de nos miliciens pourraient vous prendre pour un vil sorcier, monsieur Magnus. Et juste pour préciser, les deux broches que vous avez sont différentes. Celle d'Elena, qui représente la Kadamas, c'est une broche avec un cercle autour duquel s'enroule un serpent volant. Et celle de la Kadamavox, c'est un triangle à l'intérieur duquel se trouve un pinson qui est en train de s'envoler. Voilà, c'est des broches en métal et ça, c'est les emblèmes de vos académies respectives. Bien, Gabriel Magnus, Elena Elemnis, où est-ce que nous pouvons vous trouver? À l'auberge de l'ours de cristal. Tout à fait. Très bien, l'ours de cristal, c'est noté.
Voilà, comme ça, hop, sur plusieurs générations, voilà. On le saura bien. Bien. Eh bien, je vous remercie. C'est veuillez nous qui vous remercions. Le registre, s'il vous plaît. Oui. Tiens. Il n'y a pas la meuf, il n'y a pas Lydia? Non. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée, merci à vous. Et la bonne journée sur vous également. Merci beaucoup. Bah moi je tourne les talons et je sors. Et moi aussi, très dignement. Bien, ça pouvait pas être pire. Je dirais même que ça pouvait pas être mieux. Oui, on peut le voir comme ça. Sinon ça va toi? Je pars, je passe devant, je réponds pas. Elena, s'il te plaît. Je sais que ça grossit, je l'ai vu. Bah écoute, ça va comme ça, ça peut aller, j'ai mal. Ça t'intéresse maintenant? Oui, ça m'intéresse. Pourquoi? Pourquoi ça m'intéresserait pas? J'ai pas du tout aimé ta provocation, ça m'a beaucoup blessée. Oh, c'est des blagues, Elena. Bah oui, mais des fois, tu sais, les blagues, ça va un peu loin et ça blesse les gens. Oui, et des fois, trop sérieux, c'est pénible aussi, d'accord? C'est mon rôle de dédramatiser. Ok? Si je le fais pas, qui va le faire? D'accord? Ton rôle peut être intéressant, Gabriel, mais je te dis, des fois, il dépasse la limite. Bon, très bien, si tu veux. Cela dit, maintenant, est-ce que tu vas confier cette blessure à Isia? Oui, je pense que je vais aller voir Isia. Bon, très bien. C'est dans mes intentions. Eh ben, parfait, très bien. Pendant ce temps. Alors que eux sont partis pour se faire enregistrer. Tous les deux, vous sortez de la pièce. Ouais. Vous entendez, il y a un peu de, enfin un peu de raffus. C'est pas vraiment du raffus, mais vous entendez en fait des gens qui discutent assez fort et notamment une voix assez jeune qui, au moment où vous sortez de la pièce, est en train de dire si vous désirez travailler pour mon cher maître Gerson Gunnrisson, je vous prierai de vous rendre au manoir. Demain matin. Merci à vous et merci de m'avoir écouté. Et vous voyez une petite silhouette, assez... 1m50, même pas, 1m40, grand maximum. Assez frêle, emmitouflée dans un gros manteau, qui tourne les talons. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Allez. Perception. Je perceptionne bien. 7. Il se retourne, tu vois pas vraiment son visage. Il va pour sortir et au moment où il va pour fermer la porte, tu aperçois le visage d'un enfant. D'un enfant. Que tu as déjà vu. Attends, mais c'est... C'est la mine des révélations. Ouais, ouais. C'est... Il était dehors à l'extérieur de l'auberge. Ouais, il était dehors, il était en train de fermer la porte, t'as juste eu le temps d'apercevoir son visage. Ah, mais c'était lui qui disait ça? Ouais, et c'était lui qui disait ça. C'était le gamin, ouais. Et ferme la porte. Et s'adressait à qui? À des gens... À des travailleurs dans la salle, à des gens. Attends, il a dit... Il avait dit quoi? Si vous voulez travailler chez mon maître Gerson Gunnrisson, venez à son... Gunnrisson. Pardon? Gunnrisson. Gunnrisson, pardon. Gunnrisson. Faut aller chez lui demain matin. Au manoir. Au manoir. Ok. Je vois son visage, je le suis. Discrètement. Sauf qu'en fait, le temps que tu t'aperçoives de ça, que tu réalises que c'est lui, que tu ailles jusque là-bas et que tu ouvres la porte, il n'est plus là. Ça m'étonne pas. Et la suite. Au prochain épisode. Je suis dans le milieu, mais qu'est-ce que c'est ça, toi tu la vois juste partir et ouvrir la porte et... Ok. Voilà. La suite au prochain épisode. Wow, mais tellement de trucs. Ouais. Bon allez, ciao, on continue vite après là. Salut. Voilà, la suite au prochain épisode, écoutez... Ne perdons pas de temps. On va aller chercher la carriole, ne perdons pas de temps. Ah oui, à côté de la table fou, quoi. Et nous, en face, genre...
En tout cas, on espère que ça vous a plu. Ouais. Il y a beaucoup de choses à digérer là. Waouh. Il y a beaucoup de choses à digérer. Ah, putain, purée. Oh, je suis désolée. Oh, en vrai, je suis vraiment désolée. Tu vas prendre un morceau de pain dans la tête. On mettra un bip. On mettra un bip. Oui, un bip. Olivier n'a que ça à faire. Il mettra des bips sur tous les gros mots que tu mets. Et à chaque fois, tu fais comme ça ou comme ça, il mettra des flammes. Les familles qui regardent, les enfants, je suis désolée. Et c'est vrai que c'est pas correct de dire ce. Elle va donner 5 centimes à chaque fois. C'est 1 euro. C'est 1 euro sur le salaire à chaque fois. Pour les intermittents déjà qu'ils ont. C'est dur. Hein. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis jusque là. On va dire à la semaine prochaine. Mais du coup, il y a eu Test and Play juste avant l'épisode précédent. Test and Play sorti le 1er mars. Ouais, juste avant l'épisode précédent, et du coup. Et voilà. Et le prochain, c'est deux lundis suivants, donc ça sera le 15. Le 15 mars. 15 mars. Et bah donc, ça veut dire juste après... C'est dans quelques jours, là. C'est dans quelques jours, c'est juste après la diffusion de cet épisode, du coup. Rendez-vous lundi pour un Test and Play. Test and Play. On espère que ça vous plaît aussi, Test and Play. Ouais. Parce que moi, j'ai trouvé ça très, très cool. Merci beaucoup. J'ai trouvé ça super cool. On espère que ça vous plaît. Les retours ont été très positifs. Ouais. Merci de vos commentaires. Oui, merci. J'essaie de répondre au maximum. Mais merci beaucoup. Voilà. Et puis, Act and Play continue aussi. Ouais, ça continue toujours, carrément. Voilà. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Enfin, il y a plein d'envies de partout, donc on va trouver moyen de faire des trucs cool. Ouais. En tout cas, merci à tous. J'espère que les livraisons du financement participatif seront en cours au moment où on parlera, au moment où on sera diffusé, pardon. Je sais pas encore moi ce qu'il en est pour le côté éditorial parce que la question revient beaucoup, Oblivion, Pangée, etc. Vous savez, pour l'instant, on est un peu dans le flou à ce niveau-là. On ne sait pas exactement sous quelle forme ça va sortir. Mais bon, je pense qu'on en saura plus. Peut-être d'ailleurs qu'à ce moment-là, au moment de la diffusion, on en saura déjà plus. En tout cas, au moment où on tourne, nous, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé à ce niveau-là. En tout cas, voilà. Et puis, on va vous dire à très, très bientôt. Ouais. À la semaine prochaine. Ouais. Ouais, les pouces, les commentaires, tout ça, les partages. Les abonnements sur la chaîne YouTube. Mais oui. Qui remonte du coup. Ouais. Donc, et le Discord. Je suis enfin allé faire un tour sur le Discord. Ouais. Alors, moi, je comprends rien, moi. Ah, mais moi, ça y est, j'ai tout compris. Les salons et j'étais le meilleur. Non, mais attends. Je te montre. J'étais avec Monsieur Dutel. Il m'a dit hop, c'est bon. Mais voilà. Et on a accueilli. J'ai jeté du pain sur la porte pour pouvoir rentrer. Et on m'a accueilli avec du lait et des cookies. Merci. Voilà. Oui, parce que le Discord est un lieu convivial. Convivialité, bisounours. Bref. Merci de faire vivre tout ça. Ouais. Merci à tout le monde. Merci de votre investissement. Merci de votre présence. Merci de votre enthousiasme. Merci de votre bienveillance qui fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et... sur ce, Lannister, non ? Ciao, ciao. Oulala. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Bye. Bye, bye. Two can do it. Two can do it. 3, vos livres n'aura absolument pas le temps et vous aurez tous l'air super ridicule. Ouais, mais c'est trop bien, c'est ça qui est trop bien. On dirait parce que les gens vont mettre ce qu'ils veulent. Oui, je suis jaloux de cette ça, idée. Il est hyper jaloux. Ok, j'avais rien à faire sur cette intro. À part faire la pub de mon livre. T'as lu une blague, t'as lu une de tes blagues. Ben oui, mais c'est pas toujours toi qui es au premier plan, gars. Oh, j'ai envie de prendre le stylo et de faire. Super dur. Là, super dur. J'espère que nous avons capturé cet instant à la caméra. Oui. Ah, c'est vil.